encore sur Tears of the Kingdom. Et la dernière fois, je me souviens plus ce qu'on a fait la dernière fois, mais on était parti à l'aventure. Et cette fois-ci, du coup, on va visiter le gros Trokea. Mais avant, je me suis rappelé que j'avais oublié mes bottes de la dernière vidéo. Et du coup, le voici. Et du coup, on va en faire deux aujourd'hui. Voici Meta Knight. Bah, très 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 stylé. C'est parti, je vous demande ce qu'il va donner. Ok, il a donné des trucs complètement pourris. Il a donné de la venaison, des herbes des rues et un champignon qui est génial. Mais maintenant, on va faire Amiibo d'aujourd'hui. Et Amiibo d'aujourd'hui, c'est... Attention. Yink de Tears of the Kingdom. Voilà, ils ont sorti un Amiibo. Il est flou, s'il te plaît, arrête d'être flou. Voilà, regardez, il est trop méga stylé. Et je pense que lui, il va donner du méga stuff vu que c'est son jeu en fait. C'est parti. Oh, oh ouais, attends, il a donné beaucoup de trucs. Donc alors, des champis d'Iru, champis CS. Oh, un champi humos. Consommé en préparation, il rend la peau lumineuse, quoi. Champi céleste. Champi vigueur. Champi jaune, très difficile à trouver. Utilisé dans une préparation, ceci augmente tes capacités de la jauge endurance. Ah oui, du coup, ouais. Un champi âme, ça c'est attaque. Et un champi volt. Et là-dedans, il y a quoi? Je pense que c'est un truc incroyable. Tissu nouveau de prodige. Oh. Du coup, maintenant, ma paravoie, elle a un nouveau skin. Attends, je regarde. Ah non, ah non, ça a toujours le même skin. Ah non, mais je pense que... D'accord, ok. Je pense qu'en fait, il y a un truc quelque part pour modifier la paravoie. Et en attendant... What? Il y a des trucs qui tombent. On va visiter le trou. J'espère par contre que c'est pas juste un truc où je vais mourir. Qu'il y a une chauve-souris par là, c'est pas grave. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Attends, déjà, il y a quoi sur cette pierre? Ça aussi, c'est très important. Allez, c'est parti! On y go! Abîme de la plaine d'Akaya. Oh, what? C'est méga sombre. Pourquoi c'est aussi sombre? Il y a un truc là. C'est quoi cet endroit? What? On voit rien. Attends. What? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? What? Profondeur de la terre? Examinez. C'est quoi? Je dois monter? Ah non? Ah non, ça fait un truc. C'est quoi? J'ai un truc d'appel bizarre. Hein. Ouais, mais c'est du miel! Attends, il se passe quoi? Oh! Oh! Oh, du coup, ça fait des lumières. Oh, ça a illuminé le truc! C'est un point de. C'est un point de. Genre pour me téléporter? Ou. Oh. Ah, ça va peut-être illuminer? J'ai l'impression que ça a illuminé tout, ouais. Oui, ça a tout éliminé et je peux me TP. Génial. Ok. Maintenant, j'ai une carte. Attends, parce qu'il y a une carte souterraine. Wow. La racine purificatrice illumine les alentours. Yet. Racine Ayakin Athanis. What? C'est quoi son bras? Il y a un truc là. T'es qui toi? C'est un ennemi? What? Une épée de voyageur? Ah, ça n'est pas très utile contre les monstres, malheureusement. Attends, 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 attends. Donc cette arme m'a pas été corrodée. Ici, genre, il y a une. Il y a une ombre. Il y a une ombre d'une personne. Vas-y, je prends l'épée de voyageur. Il est mort. Peut-être qu'il était déjà mort finalement. Il s'est passé. On peut dire que s'est passé des trucs, quoi. Ouais, 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 ouais. What? Oh, oh, ok, donc. Cet arbre est infecté en fait. Il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses bizarres ici. Mais je veux que je fasse des hobbies.
quoi ces trucs? C'est des... C'est des flammes. En tout cas, ces trucs rouges un peu partout. C'est quoi? C'est des âmes? Un esprit? Oui, c'est une âme! On trouve cet esprit lieu un peu partout dans les profondeurs, froid ou touché. Il vacille sans rythme particulier. Si vous en connaissez, la fortune pourrait vous sourire. Donc ça veut dire que ça coûte cher? Waouh! Champi fumigène, ce spécimen émet un nuage dense de très fines spores, parce qu'il est estimé très amer et impropre à consommation. Waouh! Et des métaux. Oh, attends, il y a aussi un. Des trucs là. C'est quoi? Oh, du sonium! Ce minerai, aux usages variés, est exploité par le peuple des temps anciens, à la fois pour l'énergie qu'il procure et comme matériau robuste pour des armes et armures hors pair. Bon, écoute, on va pas se gêner, hein. Oh! Sonium supérieur! Ce précieux bloc de minerai est exceptionnel par sa taille et sa pureté. On peut en extraire une formidable quantité d'énergie, bien plus qu'avec une pièce de sonium normale. D'accord, je vois. Et ultra intéressant, hein, ce endroit. Oh, il y a plein d'esprits là-bas. Je peux récupérer autant que je veux. C'est mis là-bas. Il y a un feu. Oh, c'est des fées? Non. Ah non, c'est des yeux de homme, d'accord. Ces petites habitantes des abîmes produisent des sécrétions luminescentes. Si vous la consommez un remède, votre corps entier émettra une faible lumière. C'est comme le truc qu'on a vu avant. Ouais, il y a des esprits un peu partout. Je pense, peut-être que ça coûte genre... Peut-être que c'est des trucs qui coûtent très cher. Mais en tout cas, il n'y a pas de monstre ici. Est-ce qu'on a du bois spécial? Non, on n'a rien. D'accord. What? Y'a un monstre! Wow! What? C'est quoi ce truc? C'est un beaucoup bien de ténèbres? Ok, je retire ce que j'ai dit. Y'a des monstres! Ouais. Attends, mais c'était quoi? C'était un beaucoup bien de ténèbres? Il m'a one shot. Oh là là! Attends, mais c'est quoi ce truc? Bon, ça va. Ils ont pas l'air d'être très nombreux. Ah ouais, par contre, je suis revenu assez loin quand même. Ils ont pas l'air d'être méga nombreux, ça va. Ok, j'étais là-bas, d'accord. On va récupérer notre sodium. Enfin, notre sodium, du coup, sodium. Allez hop, on va récupérer tout ça. Je sais pas à quoi ça sert, mais peut-être que ça sert... Ça sert genre à faire des trucs. Bon, je vais pas revenir du côté où on était, hein. Je vais pas y revenir. Je vais juste prendre quelques esprits. Peut-être qu'en vrai, ça sert juste à se vendre les esprits, hein, finalement. C'est d'ailleurs très, très, très bizarre, hein, finalement, de vendre des esprits. Si je vais grimper là après. Ça, c'est un endroit où il y avait plein d'esprits. On va prendre tout ça, hein. Alors, je vais. En vrai, non, vas-y, j'ai envie d'affronter ce monstre. La musique commence à devenir un peu flippante. Il n'y a pas l'air d'avoir trop d'insectes. Ah, c'est là que je suis mort. T'es où, ennemi? T'es où? Il est pas là? Si, regarde, il est là! Attends, j'ai pas des. T'es où? Il est où? Il arrive. Mais bien ou pas? Il est parti. Mais il est où? Il y a une armure. Ces trucs.
quoi ça? Un bouclier de soldat. Attends. Donc, il y a une armure. Alors, j'ai vu un truc sur les armures. Alors, en gros, il est mieux si vous perdez des cœurs et infecte les réceptacles correspondant. Quoi? Donc, ça veut dire que je peux pas recover des PV. Hein. En gros, je peux pas recover de la vie. D'accord, en gros, si j'ai pas un truc spécial, je peux pas recover de la vie des miasmes. D'accord. Alors, donc, c'est beaucoup bien. En vrai, ils ont l'air d'avoir une armure. Attends, mais je respawn où, par contre? Non, mais je dois partir. Je dois partir? T'as juste un petit esprit. Voilà. Maintenant, on s'en va. C'est quoi, ça? Ok, je pense que c'est beaucoup bien, hein. C'est pour nous dire qu'il faut pas s'aventurer trop loin des endroits qui est éliminé. Je pense que c'est ça en fait. D'accord. En tout cas, super, hein. Genre, il y a un monde dans le ciel, il y a un monde sur la terre, puis il y a un monde sous terre. C'est comme si j'avais pas assez de contenu, ça. Franchement, ce jeu est méga complet, hein. Mmh. Des miasmes de partout. Hein. Ah, un champi fumigène. Donc, alors j'ai beaucoup d'esprits. Des esprits là. Mmh. Et il y en a encore plus. Il y a des lucioles. Oh, il y a un monstre. Ah, j'avais pas récupéré une lucelle. J'ai l'impression qu'il y a aussi un bocobéen. Oui, un bocobéen, il y a un bocobéen. Attends, mais du coup, comment je bats? Peut-être que comme ça. Non, je peux pas le battre comme ça. Il prend son cheval. Voilà. Je vais juste récupérer tout ça, puis je m'en vais. Hein. Ouais, regardez, j'étais un peu trop loin en fait de la zone qui était éclairée, je pense que c'est pour ça qu'il m'a attaqué. Mmh, alors je peux pas me balader très loin, sinon il y a des beaucoup bien invincibles qui me tuent. Bon à savoir en vrai. Mais j'essaie d'aller à l'endroit on a vu le truc. Peut-être un autre endroit éliminé. Hein. Attends. C'est par là. Non, par là. Ouais, c'est par là. C'est par là qu'il faut aller. Il y a des arbres pas partout. Ouais, et vu que la carte est très petite, on devrait y arriver assez rapidement. Ouais, vas-y. Faut juste pas qu'il y ait des beaucoup bien invincibles qui m'attaquent. Ouais, regardez, on approche déjà. Elle est méga petite en fait, la map ici par contre. Je sais pas ce que c'est en fait. C'est peut-être un. Genre un mécanique. Oh. C'est quoi ça? Ah, ok, donc c'est bien. C'est plein de minéraux. C'est que du sodium. Ok, c'est quoi ce truc? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et alors, il y a un truc sur la tête. Gigatracien antisépatide, quoi? C'est comme un hydroque. C'est comme un hydroque, le truc, c'est quoi? C'est hier, je suis où? Attends. Est-ce que j'ai... Je peux pas battre. En fait, il faut que je remonte sur. Oh, il m'aspire. Ok. Donc alors, je comprends ce que ça veut dire, cette espèce de truc là. Ça veut dire ennemi extrêmement puissant, approche pas abruti. Ouais, c'est à peu près ce que j'ai compris en tout cas. Mais en tout cas, je peux battre. C'est extrêmement dur, mais je peux battre. Parce que attends.
Parce que je suis là, finalement, je suis où? Donc là-bas, il y a boss. En vrai, je sais pas. Genre, en fait, j'ai l'impression que tout est trop level. J'ai l'impression que vraiment il n'y a aucun truc que je peux affronter quoi. Il y a... Oh! Ok, j'ai failli me faire avoir. Par contre, j'ai l'air d'avoir un truc ici. Je peux monter. Ouais, ça je peux monter. Et on va monter ça. Ok, c'est bon. Regardez, vous voyez, il y a un arbre. J'ai l'impression qu'il y a un truc au bout. Genre tout en haut, j'ai l'impression qu'il y a un truc. En tout cas, très impressionnant les monstres qu'on peut trouver en bas quand même. Hein. Genre, c'est que les monstres qui one shot. Alors, le lézard, il y avait l'air battable, mais il est beaucoup bien. En vrai, le lézard, le truc, c'est qu'il me faudrait. Tu vois, c'est. En fait, je fais l'inverse de l'ordre de puissance des armes. Genre, moi, ma plus puissante arme, c'est une lance. Genre, mon espadon, c'est la plus faible. Ouf. Ok, attends, je vais revenir sur champignon. Vas-y, il me faut un bon lancement. Vas-y, comme ça. Je demande ce qu'il y a quand même en haut. Et aussi, comment je vais arriver en haut, en fait. Ah, il y a un esprit. Toi, je te prends. Ouais, je me demande comment je vais y arriver en fait. Comment je peux monter là-dessus quoi? Parce qu'attends. Peut-être que je peux monter genre là-dessus. Et il me semble que je peux pas monter comme ça. Non, mais je peux pas. Je suis pas Spider-Man, voilà. Non, mais j'ai pas l'impression que je peux monter. Ok, donc là-bas il y a un ennemi. Là-bas il y a un ennemi, on va pas trop s'approcher. Ici il y a beaucoup d'esprit. Ok, donc ça fait rien non plus. Comment je fais pour atteindre là-haut? Je vois qu'il y a un truc en haut. Ok, non, en vrai, il n'y a pas l'air d'avoir des trucs. Bon, je vais prendre les esprits qui sont là-bas, puis ensuite je vais partir. Attends, mais en fait, il n'y avait qu'un esprit. Tiens, toi, tu viens avec moi. Attends. Par contre, comment du coup je reviens à la surface? C'est vrai, j'ai pas pensé ça. Comment je reviens à la surface? Attendez. Il y a forcément un truc genre pour monter. Voyons voir. J'espère que je peux remonter quand même parce que genre sinon je suis piché. Je suis piché. C'est un autre boss. Ah, regardez, j'ai trouvé. Donc là, ah c'est si. Donc là on a les profondeurs, la surface, puis le ciel. D'accord. Donc là il y a toujours un boss. Voilà. Donc nous, on devait aller là-bas. Et alors, je sais pas trop quoi faire maintenant. Genre, je sais pas trop. Genre, je dois faire un truc. Ah non, je suis pas téléportée au bon endroit. Genre, je dois avancer à la quête des auras. Mais le truc, c'est que je sais pas comment avancer. Genre, je suis allée voir le mec, mais il me dit d'aller chercher un truc. Je vais y reparler au mec. Trop gros bien. C'est moi qui peux plus grosse sur les retours de ses ennemis. En fait, j'ai tombé avant de les affronter. Ah oui, on les a vus. Ouais. Voilà, avec la vase, on s'en souvient. Peut-être que je devrais revenir au village de Cocorico, hein, sinon. Genre essayer un nouveau pays quoi. Parce qu'attends. Le mec.
Alors attends. Donc, genre d'aventure. Le mec, c'est donc du domaine Zora. Donc, vous avez parlé accident au parc Mipa sur lui. Il faut trouver la cause de la vase à sa source sur le des Ivoirs. Il a demandé à un érudit du nom du tato. Peut-être des informations concernant Zeda. Alors, justement, à propos de la source là, de Grota, eh ben, je pensais qu'il y avait un truc qui aurait pu s'arranger. Regardez, je vais vous montrer ce qu'attend. Je regarde. Ok, non, ça va. Ouais, regarde, je vais vous montrer. Alors, il faut qu'on remonte cette cascade là. De la dernière fois. On avait vu qu'il y avait une ICS là-bas. Et je vais essayer d'enlever toute la base en fait. C'est parti. On y va! On y va. C'est bien parce que ça se fait automatiquement dans le jeu. Ça se faisait pas automatiquement en fait. Fallait appuyer sur un bouton. Enfin, sur Breath of the Wild. Allez, c'est parti. Donc, on va. Alors, déjà, en fait, je sais même pas comment il y a de l'eau qui peut venir de là. Parce que, genre, il n'y a pas d'eau. Allez, c'est parti. On va soigner tout ça. Ouais, ça s'enlève un peu. Alors, vous avez vu ça. Alors, ça enlève quelques trucs. Du coup, on a rien! Ouh! Mais attendez. Logiquement, il faudrait que j'enlève toute la vase qu'il y a. Si juste je jette le fruit d'eau, ouais, ça marche. Donc là, j'ai tout nettoyé. Est-ce que ça fait quelque chose? Rien! T'es sérieux, mec? Genre, j'ai fait tout ça pour rien. Mais en fait, il n'y a même pas d'eau qui arrive de là. Genre, qu'est-ce que tu veux que je fasse en fait? Genre, t'as pas d'eau? J'attends, parce que là, il part d'où là? L'eau, il part de là. Genre. Ouais, y'a un truc qui part là. Genre, y'a de l'eau. Mais du coup, genre, je dois faire quoi? Genre, y'a de l'eau, mais elle est toute sale. Oh. Quoi? C'est quoi ça? Ah, c'est un oiseau, ok, j'ai cru que c'était genre une personne. Je regardais, y'a. Forcément de l'eau ici. Ah, c'est peut-être ça que je vais nettoyer. J'en ai au bord aussi. C'était peut-être ça en vrai. Bah, peut-être que si t'obtiens quelque chose, si tu nettoies vraiment tout en fait. Mais toi, si j'ai pas fait cette vidéo. Vous savez quoi? Je vais faire un petit truc. Hein, je vais réessayer d'affronter le camp Raid qui est là-bas. Je vais réessayer d'affronter. Attends, c'est un meilleur point de. Enfin, pour commencer. Ok, hop. On y va, c'est parti. Allez. Quand raid de Bokobia, je suis là. Alors juste je suis avec une armure. Oh, il y a un truc là-bas en vrai. Alors, je vais par où du coup? Alors, je commence où? Vas-y, on va commencer un petit peu à Wayal. Allez, on va direct équiper notre plus belle arme. Salut mec. Attends, il y avait un arc. En vrai, j'en ai besoin, j'ai plus d'arc. Aïe, oui, c'est vrai qu'ils font mal ces trucs. Allez, c'est parti. J'ai juste mangé un petit truc pour me restaurer un cœur. J'ai pas un truc pour me restaurer genre un cœur. Non, apparemment j'ai rien pour me restaurer un cœur. Mais attendez. Non, vas-y, j'ai une venaison, voyons.
Salut, tu me reconnais pas? C'est un vieil ami. Non, tu bouges pas. Tu utilises pas ça. Mais le gros abruti, il voulait faire exploser juste pour me tuer moi quoi. Mais abruti. Vas-y, attends, je recommence où? Ok, je suis assez prêt. On recommence au début. Ça, pas de problème. Ah, je commence vraiment au tout début, genre. Bon, c'est pas grave. Arrête, tais-toi! Ouais, personne veut t'entendre. Ok. Ah, vas-y, on commence par rien, écoute. Mais est-ce qu'ils m'ont vu finalement? Ouais, ils m'ont tous vu. Ha! Ok, y'a gros qui arrive! Y'en a un qui s'est fait exploser tout seul. Il s'est vraiment fait exploser tout seul. Attends, toi t'es étourdi. Oh! J'ai détruit l'armure! Attends, c'est qui en fait qui me tire dessus? Genre, je sais qu'il y en a un qui reste. Non! Son armure était détruite, j'aurais pu me tuer! Non! Ok, il faut que j'ai la même chance que maintenant si je pouvais tuer. En vrai, en fait, je pense que c'était genre qu'il y avait un côté de son armure en fait que je pouvais détruire. Ou peut-être que je pouvais juste détruire l'armure, je sais pas. Hein. Okay, c'était un très bon try. Heureusement quand même qu'il y avait un gars pour tous les étourdir. Donc, tu t'es. Moi je prends ça. Allez, c'est parti. On y va! Il y a tout qui brouille déjà. Non, j'ai manqué une fée. Tu meurs. Ah vas-y, ça en fait un gros de moins. Ah oui, attends, ça c'est un bouquet très fort ça, un bouquet de chevalier. Le truc en fait c'est qu'il faudrait que je me charge des... En fait il faudrait que je les fasse tous en envers. Le truc c'est qu'il est gros en fait, lui il est exprès là pour que tout le monde reste ensemble en fait. Mais c'est dur, il est dur ce truc genre, c'est parce qu'il peut tous me one shot. Genre déjà il faut que je mange un truc. Il faut que je mange un truc pour mettre full vie, comme ça je pourrais espérer rester un coup. Attends, tout déjà tu meurs. Voilà, on prend l'arc. On connaît. Ensuite on prend ça, moi je mange ça, hop, on est prêt. Mais tu me jettes déjà des cailloux toi. Bah, regardez là. Le gars qui m'a lancé un tonneau explosif, lui il faudrait que j'en... Bah, regardez, lui il m'envoie des tonneaux explosifs. Ok, c'est bon. Ils m'ont marqué. Toi tu m'affondes en premier. Ouais, très intelligent. Ok, non, il y en a deux qui viennent en même temps. Genre. Non! Bouge. Ah, mais il faudrait que j'utilise mon bouclier un peu plus souvent. Ok, dernier try. Vas-y, en vrai, la technique est bonne. Par contre, si je pouvais arriver dans, ce serait tellement plus simple. Genre pour tuer tous ceux à qui m'énervent. Déjà, toi, il faut que je me débarrasse de toi le plus vite possible. Genre, il fallait pas que je rate l'échelle. Quand même, j'ai de bonnes armes. Ok, ensuite, on prend ça. On prend ça. Voilà, on connaît tout. Le mec s'est fait exploser tout seul. Le mec, il s'est fait exploser tout seul. Ils viennent. Ouais, c'est bon. Non, c'est gros qui arrive. Ah, ils arrivent tous en même temps, genre. Mouah.
Attends. Vas-y. Ouf. Vas-y, je me charge de toi. T'inquiète, t'inquiète. Ah ! Mais ils arrivent tous en même temps aussi. Ils arrivent tous en même temps. Bah non, cette fois-ci, dernier travail. En fait, le truc, c'est qu'il faudrait que je regarde tout avec la caméra. Mais c'est compliqué. On voit peut-être qu'il faudrait que j'y aille comme ça et... Vas-y, je vais y aller. Je vais aller à l'intérieur. Comme ça, le gars qui met ton explosif, il les étourdit tous. Allez, c'est parti. Ensuite, maintenant, on y va, on s'en fiche. Toi, Jugement, t'es prêt à me lancer les tonneaux. Ok, très mauvaise idée, très mauvaise idée. Non mais, le mec qui lance les tonneaux sur ses potes, il en a rien à faire. Bon, en vrai, non, non, non. On va garder nos stratégies. On va rester en dehors de leur conversation à coups de tonneaux explosifs. Et on va essayer de les avoir en 1v1. Ou au pire en 2v1. Ouais. Vas-y. Ce que j'ai fait avant, c'est bon. Vas-y. Mais le truc, c'est que comme je vous l'ai dit, en fait, tout one shot, c'est difficile. Ok. Vas-y, les gars. En 1v1, s'il vous plaît. Hein. 1v1 seulement. Ok. Attends, il y en a encore. Hein. Vas-y, non mais lance-en. Non, non, non. Oh, oh, il m'a pas one shot. Attends, j'ai pas un... Ça va. Ok, bon, ça va, ils arrivent tous en même temps. Oh, il casse tout. Le mec, il en a plus rien à faire, ça bosse. Je pars comment? C'est quoi ce délire? C'est qui me tire dessus? Non! J'ai pas demandé à faire ça. J'ai pas demandé à faire ça. Ok, bon, c'est pas grave. On s'est échappé. On va revenir de derrière. Attention, regardez, ils m'ont pas oublié. Hein. Regardez, j'ai toujours la barre, hein, je suis assez proche. J'arrive, les gars! Faites pas comme si la bataille était terminée. Hein. Bon, ça va, au moins, je les ai un peu affaiblis. J'en ai tué un. Enfin, j'en ai tué deux, même. Ils ont dépensé quelques-uns de leurs explosifs. On arrête de côté, ils ont tout barricadé, c'est fou là. Par contre, il me semble que je peux casser la barricade, j'ai vu la casser avant. Ou peut-être pas. Bon, en fait non, je peux pas casser celle-là. Bon, tu sais quoi, vas-y, sinon vas-y, non, on va réarrondir la voyage. Ok gars, je suis de retour, je vous ai manqué. On va continuer la stratégie d'avant. Tu me vois pas? Oh, j'ai tué le pauvre. Personne n'a remarqué. Ok. Y'a personne? Ah mais attends, mais oui, ils sont tous en bas. C'est vrai, ils sont tous en bas, j'avais oublié. Tu te calmes, gros. Eh, salut. Tu te calmes. Tout le monde se calme. Tout le monde se calme. Il vise bien. Tout le monde se calme. J'ai dit tout le monde se calme. J'ai dit tout le monde se calme.
Non mais, hé les gars, pisse, vas-y, vas-y, on fait appel. Vas-y, on fait appel, c'est une petite gag. Vas-y, on fait appel, vas-y. Non mais, vous avez aucun sens de humour, les gars. Mais vraiment, tapez second degré dans votre recherche Google. Oh là, mais quel humour pourri, franchement. Y'a pas besoin de me lancer des pierres. Rala. Vas-y, on va faire un jeu. Vous me laissez partir, et je vous laisse partir aussi. Voilà, deal. Pas besoin d'être agressif. Oh, et franchement, vous êtes pas sympa, les gars. Franchement, vous êtes vraiment pas sympa. Hein. Genre, moi, je vous accueille avec des tonneaux explosifs. Et vous m'accueillez avec des pierres. Mais n'importe quoi. Hein. En plus, vas-y. Vous êtes beaucoup. Regardez. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Voilà, regardez. Plus on est de fous, plus on rit. Bon, en vrai, ils ont pas l'air de voir ce que y a. Hein. En fait, le vrai problème, hein, comme toujours, c'est le gros. Vas-y, toi, je vais essayer de te tuer. Vas-y, toi, t'es un peu isolé. Non, tes potes sont venus t'aider. Mais mec, vas-y. Un petit 1v1, ça vous dit pas? Mais vas-y, comme je vous ai dit, c'était de lui. Vous avez aucun sens de humour. Vraiment. C'est franchement, vous êtes pas drôle. Hein. Meurs. Je fais beaucoup mieux. Et ça, c'est quoi? Une Nyong et Pesora. Oh! 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 J'en peux plus. C'était super nul. Attends. C'est quoi ça? Oh, un boomerang brisé. Oh, le stress. Bouclier les ailes. Ok, tout va bien. Tout va bien. Sois calme, tu te calmes. On va faire une méga arme. Avec ça. Je raconte pas comme j'ai stressé par contre. Oh, c'est une arme tressée, mais pas ouf. Et des viscères. Et toi, je fais quoi pour toi? Laisse-moi sortir. Bah ouais, mais je fais quoi en fait? Y'a quoi dedans? Oh, un crabe grillé! En tout cas, regardez! Vous voyez, y'a le ski, genre. Laissez-moi sortir. Mais du coup, comment je vais sortir? Oh, c'est quoi une grande hache caillouteuse? En vrai, toi, je sais pas trop comment te faire sortir. Il reste pas des. Si, il reste des tonneaux. C'est sûrement avec ça, en fait, qu'il faut que je fasse sortir. Oh, attends, en fait, j'ai une idée! J'ai pas une arme pourrie, hein. Attendez. Il me faut une arme nulle. Non, déjà, c'est quoi ma pire arme? Un éventail, ça sert toujours. C'est ça, ouais. Vas-y, en vrai, je sais quoi faire. Voilà. Maintenant, on a une arme matraque explosive. Maintenant, on la jette. Et... C'est quoi cette cage? Alors peut-être que j'ai pas lancé assez près en fait. Allez, c'est parti. Hein? Attends, mais toi, je te veux sortir comment? Genre Ah! Attendez. C'est bon, ok, j'ai juste à sauver la cage.
Ça va, mec? Oh, sauvé enfin, j'ai cru que personne ne viendrait me chercher. Comment je suis retrouvé ici? C'est une longue histoire. Tout commence avec une de sang. Sauvé d'étrange, tristement célèbre. Difficile de dire quoi exactement, mais certaines nuits, quelle que soit la phase lunaire, une pleine lune rouge se lève. Lorsque Pini sonne, le ciel se couvre et Dieu. Les intous et monstres vaincus se lèvent, ranimés par la lune de sang. Alors, je suis il est fait une aide dans l'histoire de mieux comprendre. Un jour, oh oui, un jour, j'ai stressé ce mystère. Pourquoi les monstres sont-ils réanimés à chacune de sang qui les unit? Pour savoir, j'ai décidé d'observer les monstres encore plus loin. Cela me semblait être un beau point de départ. Mais ils m'ont rapidement repéré et me sont tombés dessus avant que je puisse m'enfuir. Mais au moins, ils t'ont pas tué, hein. Voilà pour toi, pour te remercier de m'avoir sauvé. Si, si, j'insiste. Poisson salé. Mais c'est toujours passé, tiens, prends aussi celle-là. Non, ça te suffit pas à exprimer ce que je sens pour ça aussi. Ok, ça c'est bien. Ce soir, c'est la lune croissante. Mon parfait expansion pure amérique. Je ne vois que nous nous reverrons pour l'heure, c'est par nous avant d'être opérés par un monstre. Wow! Ok! Eh ben, c'était super épique. Bon, je vais regarder une arme comme ça, ouais, une arme kamikaze pour ces monstres. Par contre, franchement, je suis tellement content. Genre, ça, c'est tellement de stress. Genre, c'était tellement dur. Mais maintenant, regarde, du coup, j'ai récupéré un poisson salé, un délice des bois à cœur d'enduro et un remède Vidalis. C'est Dieu. Alors, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Du coup, cette vidéo, on a regardé dans les profondeurs de la terre. Et on a aussi vaincu le gang des Bokoblins. Ouais, je vais appeler ça comme ça. Et sur ce, à la prochaine!